l'album. Msichana mrembo apate kuingia. Gloire au Seigneur. Pourquoi je vous lis quelque chose que nous allons suivre ensemble avant de consacrer. Et Dieu va vous aider quelque part, je sais. Je vous lis en Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Mwenye sura zetu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Na tatawala juu ya samaki za bahari. Sur les oiseaux du ciel. Na juu za ndege za anga. Sur le bétail. Na juu ya ngombe. Sur toute la terre. Na juu ya inchi zote nzima. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na juu ya kila kitambazi kyote kenye kutambaa juu ya inchi. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaomba mutu kwa mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Kwa mfano wake mwenyewe wa Mungu. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaomba mme na mke. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose avant la consécration. Nilipenda basi kuvutia angalizi wenu kukitu moja fulani kabla tuyalunga ndoa hii. L'homme n'est pas une créature ordinaire comme les autres. Basi mutu ye ana kiumbile kia kawaida sama umbile zote. Vous allez voir quand Dieu créé les restes de choses. Utaona wakati Mungu alipoumba mabaki za vitu. Vous pouvez lire partout là, on dit toujours, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Dieu dit lui-même. Mungu akasema maji yenye ko juu ya ulimwengu basi jikusanye. Mungu anasema. 1:11, on peut nous dire, oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Isha, Mungu akasema inchi itoe majani. Il était en train de alikuwa naenda kutaja bitu ili bipate kuumbika. Verse 14. Mungu akasema basi kuwe manyota za kuangaza. Suivez-moi bien. Munifate mzuri. On dit toujours Dieu dit quand il a créé toute chose. Beko nasema tu Mungu anasema wakati alipoumba kila kitu. On peut dire au verset 21 Dieu créa les grands poissons. Mungu akaomba masamaki kubwa. Et tous les animaux vivants qui se meuvent. Na manyama zote zenyewe. Et cetera, on dit toujours Dieu dit. Mais quand on arrive à l'homme. Lakini wakati tunafika kuhusu mutu. Dieu n'a pas créé l'homme seul. Mungu akuumba mutu peke yake. Dieu a invité ses attributs. Mungu akaita vitaji kwa ama masifa zake. À la création de l'homme, on nous dit. Kwa kuumba Mungu. Puis Dieu dit. Kisha Mungu akasema, faisons l'homme. Fanyeni mutu kwa mfano. Ce n'est pas Dieu qui seulement. Aiko Mungu anasema hapana. Mais Dieu Mungu dit, akasema, faisons au pluriel. Tufanye kwa wingi. C'est-à-dire Dieu a invité les attributs. Ni kusema Mungu aliita masifa zake ama bitaji. Il a invité l'attribut du sauveur. Akaita sifa zake za kuokoa. Il a invité l'attribut du guérisseur. Akaita sifa zake za kuponya. Parce que l'homme, kwa sababu mutu, ne pouvait pas être comme les bêtes. Angelikuwa sama nyama. L'homme devait être comme Dieu. Mungu alipaswa kuwa sama Mungu. C'est pourquoi il a invité les attributs. Joko mana aliita masifa zake. Venez maintenant. Ujeni sasa. Nous allons créer. Apa tutaumba. L'homme, mutu, qui va dominer sur toutes les créatures mwenye que nous avons créées. Atatawala kwa maumbile zote zenye tulisha umba. Amen. Amen. L'homme n'est pas ordinaire. Mutu ana wa kikawaida. Maintenant écoute ce que Dieu fait. Sasa sikia benye Mungu anafanya. Quand Dieu a créé le bête, wakati Mungu aliumba mangombe, il a créé mâle et femelle. Akaomba dike mâle et femelle. Dik
kike na male femelle. Dike il arrive à l'homme, anafikia kwa mtu, il fait mystère. Akafanya siri. Qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il conçoit d'abord, il dit, mais anasema kwa, faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Quand on descend maintenant pour le créer, tukishuka pale juu apate kumuumba. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu kwa mfano wake. C'est pour vous dire que l'homme est complètement, il est exactement comme Dieu. Ni parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Hivi unaona mutu manake njo vile vile kwenye Mungu weko kwa sababu mutu anaumbiwa kwa mfano wa Mungu. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa mfano wa Mena Mungu. Maintenant il fait un mystère. Sasa hapa anaenda nafanya siri. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mme na mke. Or, c'était dit, faisons l'homme à notre image. Ijapokuwa ilisemwa tufanye mutu kwa mfano. Il arrive à la création, anafika kwa kuumba, il crée l'homme et la femme. Sasa anaumba mme na mke. Maintenant, je vais vous poser une question. Hapa napenda kumiswali. Où est-ce qu'il avait mis cet homme qu'il avait créé à son image? Sasa huyu mutu mwenye alimuumba kwa mfano wake alimuweka wapi? Quand il créait les bêtes, les oiseaux et tous les poissons, wakati alikuwa anaumba manyama, vitambazi na mandeke. Ils apparaissaient. Ao balikuwa anaonekana kumbele. Mais quand il a créé l'homme à son image, lakini wakati alipoumba mtu kwa mfano wake, il le créa homme et femme, akamuumba mme na mke. Cet homme et femme habitaient où? Na ule mme na mke walikuwa naishi wapi? Ils habitaient en Dieu. Walikuwa naishi ndani ya Mungu. Avant qu'on forme la terre pour introduire l'homme. Mbele abo kuumba kibulongo ili bamtie mtu. L'homme était en Dieu. Mutu alikuwa ndani ya Mungu. Parce que vous allez voir que, kwa sababu utaona, la Bible dit au verset chapitre 2 verset 7. Biblia inasema katika verse yake ya pili mstari 7. L'homme était toujours invisible. Mutu alikuwa asionekana. Déjà créé. Alishaumbiwa lakini aonekani. La femme était invisible. Mke alikuwa ashaumbiwa lakini aonekani. Ils habitaient en Dieu. Walikuwa na dumu ama kuikaa ndani ya Mungu. Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Kwa sababu waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Leur domaine était en Dieu. Basi pango yabo ilikuwa ndani ya Mungu. On arrive en Genèse 2, 7. Tunafika katika mwanzo msara. Bible dit, Biblia nasema, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mutu kwa mavumbi ya inchi. C'est là où il accomplit un mystère. Jo pale akatimiza siri moja fulani. Il veut maintenant que l'homme qui était en lui, anapenda sasa huyu mutu alikuwa ndani yake, et la femme qui habitait en lui, na mke mwenye alikuwa ndani yake, puisse apparaître. Batoke baonekane sasa. Il a formé l'homme. Akafanya mutu. L'homme créé et l'homme formé, ce n'est pas la même chose. Mutu mwenye aliumbwa na huyu mutu mwenye alifanywa haiko kitu kimoja. L'homme créé ne mère pas son domaine est en Dieu. Huyu mutu mwenye aliumbwa afaki pango yake iko ndani ya Mungu. Mais l'homme formé, lakini mutu mwenye alifanywa, c'est la poussière de la terre qui rentre la poussière. Hiyo ni mavumbi ya inchi tarudi kwenye inchi. La Bible dit, Biblia nasema, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mutu kwa mavumbi ya inchi. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Akampulizia pumzi ya uzima katika mapua yake. Et l'homme devint une âme vivante. Na mutu akawa nafsi iliyo. Quand il a soufflé dans la poussière de la terre, wakati alipulizia katika hiyo kimavumbi ya inchi, c'est l'homme qui respire dans le corps d'argile, jo pale mutu mwenye kupumua katika hiyo mwili ya bumba, est à Paris. Akaonekana. Et jusque là, nous ne voyons pas la femme. Na hata pale hatujaona bado mwanamke. Amen. Amen. Je vous attire à quelque chose. Niko nami vutia kukiki moja. Parce que nous consacrons chaque fois des mariages. Kwa sababu mara yote tunalunga mandoa. Les gens ne comprennent pas. Watu awaelewi. Le grand mystère du mariage. Siri kubwa hiyo ya ndoa. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Sasa sikieni. L'homme là, il est seul. Ule mutu eko peke yake. Parce que Dieu va nous confirmer ça. Kwa sababu Mungu atetuhakikishia. L'homme commence à respirer dans le corps de chair. Mutu anaanza pumua katika mwili wa nyama. Mais nous ne voyons pas la femme. Où est la femme de l'homme? Mwana bibi wa Bwana, mwanamke wa Bwana heko. Toutes les bêtes avaient leur femelle. Sasa manyama zote zilikuwa na madike zao. Mais où est la femelle de l'homme? Sasa basi dike za mutu ziko eko wapi? La Bible nous dit. Biblia inasema.
au chapitre, verset 18 du chapitre 2, l'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mutu awe peke yake. C'est qu'il était seul. Ni kusema alikuwa ye peke yake. Bien qu'à Genèse 1:26, ata vile mwanzo moja makumi mbili na sita, ils étaient créés homme et femme. Waliumbwa mwanaume mke na mme. Mais dans le corps de la chair, lakini katika mwili wa nyama, l'homme était seul et sa femme était en lui. Mutu akawa peke yake. Bibi akakuwa ndani yake. Dieu vient dire, Mungu akakuwa kusema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mume hawe peke yake. Mina Dieu n'est pas parti prendre encore la terre. Mungu asikwenda tena kubeba bulongo ama inchi. Il forme la femme. Ili afanye mwanamuke. Non. Hapana. Il ne pouvait pas faire ça parce qu'il y a un mystère de l'épouse. Angeliweza kufanya vile kwa sababu. Et de l'époux. Kuna siri ya bibi harusi na bwana. Dieu. Mungu. A fait endormir l'homme. Akamupatia mutu usingizi. Pourquoi vous voyez verset 21 du chapitre 2? Makumi mbili na moja pale verset ya pili. Écoutez ce que la Bible dit au verset 20. Makumi mbili na moja. L'homme donna des noms à tout le bétail. Mutu akawapa aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Na manyama zote za inchi. Mais pour l'homme, lakini kwa mutu, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Akupata msaidia kwa kufanana naye. Sa femme était toujours cachée en lui, il ne la voyait pas. Bibi yake alikuwa mwenye kufichwa ndani yake, hakuwa na. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Na Bwana Mungu akamletea usingizi mzito. Qui s'endormit. Ye ika akalala. Il prit une de ses côtes. Akatoa mmoja wa mfupa wake. Et referma la chair à sa place. Na akafunga basi nyama payo fasi. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Wa milele Mungu akafanya mwanamke kwa mfupa alipo ondoa. Et l'amena vers l'homme. Na akamletea mtu. L'homme se réveille du sommeil. Mutu akamka toka usingizi. Il regarde. Akaangalia. Une femme avec des cheveux longs. Akaona mwanamke na nywele ndefu hapa. Comme c'est l'homme qui avait nommé toutes les reptiles, toutes les bêtes, les oiseaux. Vile, lui qui avait donné des noms. Vile ni mutu alileta manyama kwa vitambazi, kwa mandege, kwa manyama, kwa masamaki. C'est cette fois-là que l'homme dira. Jo, ile mara sasa mutu akasema. Voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Huyu sasa oneni mwenyewe kuwa mifupa ya mifupa yangu na nyama ya nyama yangu. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ataitwa mwanamke kwa sababu aliondoshwa kwa mume. Est-ce que vous comprenez ici? Eti mnaelewa hapa? La femme apparaît. Mwanamke anaonekana. Et l'homme regarde la femme. Na mtu akaangalia mwanamke. Il dit, akasema, on l'appellera femme. Ataitwa mwanamke. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Kwa sababu ameondoka. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Jo, kwa sababu hii mume hataacha. Et s'attachera à sa femme. Na mama yake na ataungana na mke wake. Ils deviendront une seule chair. Na watakuwa mwili mmoja. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ce grand mystère de Genèse, siri kubwa ya kule mwanzo, avec le premier Adam, na huyu Adamu wa kwanza, savait le but. Ilikuwa na lengo moja fulani. Dieu cachait en lui, Mungu alificha ndani yake, la pensée qu'il avait dans l'éternité, wazo yenye alikuwa nayo ule kule kumilele, de sauver l'homme, ya kuokoa mtu, d'être un sauveur, ya kuwa mwokozi. C'est ainsi. Jo, hivi basi, Dieu acceptera de diminuer un peu la femme. Mungu akakubali kumshusha kidogo pour qu'elle soit le sous-produit de l'homme. Ili akue kitu kinatokea kwa mwanamke. Afin que la chute entre par la femme. Ili basi kuanguka kuingililie kupitia mwanamke. Pour que Dieu devienne sauveur. Ili Mungu akue sasa mokozi. Et j'ai toujours dit. Na nasema kama siku yote. Si nous avons péché dans ce monde, kama kweli tulitia zambi mudunia umu, c'est Dieu ni Mungu qui avait permis cela. Mwenye aliruhusu uwe vile.
L'homme ne pouvait pas pécher. Mutu angeliweza kufanya zambi. Il était fort. Alikuwa na nguvu kabisa. Il dominait. Alikuwa na tawala. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui avait dans sa pensée. Alikuwa na ndani ya wazo yake. La tribu du sauveur. Maana il est sifa za wokovu. Il ne pouvait pas être sauveur sans chute. Angeliweza kuokoa ama kuwa mwokozi bila maanguko. Pourquoi notre chute ne peut pas nous inquiéter? Kwa kwa maana kuanguka kwetu kuwezi kutubeba muda. Parce que si vous n'avez pas tombé, kama wewe hauanguki, Dieu ne sera pas sauveur. Mungu hawezi kuwa mwokozi. Pourquoi c'est différent maintenant? Tu yani na kwa tofauti? Avec le premier Adam. Na huyu Adam wa kwanza. Dieu avait la pensée de la chute. Mungu alikuwa na ile wazo ya kuanguka. C'est ainsi qu'il a diminué la femme. Jo kwa maana akamshusha kidogo mwanamke. Pour qu'elle devienne le sous-produit. Ili akuwe kitu kinatokea kwa mwanamke. Chaque fois que l'homme Adam, na mara yote mwanaume Adamu, gardait sa femme près de lui. Alikuwa anachunga mke wake pembeni yake. Elle ne pouvait pas tomber. Angeliweza kuanguka. Dieu a vu que Mungu aliona kusema dans cet ali mui ali haivi si Adam est toujours près de sa femme kama Adamu anabakia tu pembeni ya bibi yake la femme ne tombera pas parce que la chute devrait venir par la femme kwa sababu kuanguka kulipasa kutokea kwa mwanamke. Dieu lui-même a permis un jour sasa siku moja Mungu akaruhusu que la femme s'écarte mwanamke aende mbele kutembea que là il lui croise ce que vous connaissez aende mbali akakutana na kile kenye mnajua. Pourquoi? Juu ya nini? Que Dieu devienne sauveur ili Mungu akuwe mwokozi. C'est pourquoi l'homme Adam et la femme Eve, na mwanamke Adamu, ils connaissaient leur place. Walikuwa natambua fasi yao. Quand ils ont chuté, wakati balipo anguka, et quand Dieu les cherchait, na wakati enye Mungu alikuwa anawatafuta, quand Dieu les a trouvés, wakati enye Mungu aliwapata, il a posé la question à Adam. Akamuuliza Adamu, comment tu dis que tu es nu? Tie wewe unasema uko uchi? Adam a répondu. Adamu akasema, dans d'autres termes, mukusema kwengine, il a condamné Dieu. Aka muhukumu Mungu. C'est la femme que tu m'as donné. Oh bibi mwenye ulinipa. C'est toi qui avais dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Wewe ulisema sio vema mume awe peke yake. Si tu aurais gardé cette femme en moi, kama ungelichungaka huyu mwanamke ndani yangu, tomberai pas. Singeanguka. C'est toi qui m'as donné la femme. Wewe ndio nilipatia. Regarde maintenant le sort. Ona sasa tukio. Je manqué quoi dire? Mungu akasinda kaye kusema. Il tourne à la femme. Akageuka kwa mwanamke. Et toi, Eve. Wewe sasa. Pourquoi tu as fait ça? Je ya nini ulifanya hivi? La femme aussi connaissait sa position. Mwanamke naye alijua msimamo wake. Dans d'autres termes, la dit à Dieu. Mukusema kwingine akaambia Mungu. Le serpent m'a séduit. Huyu nyoka alinitongoza. Dans d'autres termes, tu connais bien que je suis ta fille. Wewe unajua sema mie niko binti wako. Tu prends le serpent tu mets à côté de moi. Unabeba nyoka. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est le serpent que toi tu avais mis avec ton objectif. Aiko mie ni nyoka mwenye we Mungu uliweka na kifukuzio kyako kile. Ce n'est pas moi. Aiko mie. Dieu a regardé la femme en face. Mungu akaangalia bi mwanamke. Il a dit ce qu'il a dit est vrai. Asa kile anasema ni kweli. Si je n'aurais pas placé le serpent, kama singeweka nyoka, c'est l'homme a pensé du sauveur. Ufatana na uwezo yangu ya kuokoa, kama ne tombera plus. Huyu mwanamke angeanguka. Maintenant il regarde au serpent. Sasa anaangalia nyoka. Le serpent n'était pas en Dieu. Nyoka hakukua ndani ya Mungu. Pour dominer, juu ya kutawala. Oui. Yeye. Il était là pour être maudit. Alikuwa pale juu ya kulainiwa. Au serpent on n'a pas posé la question. Wanyoka bakumuuliza. Parce que tu as fait ça. Vile ulifanya hivi. Tu es maudit. Unalaaniwa kuanzia leo. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Bwana. C'est pourquoi aujourd'hui quand nous consacrons le mariage. Kwa maana leo wakati yenyewe tuko naenda kulunga ndoa. Le mariage que nous consacrons comme ceci. Ndoa yenyewe tuko nalunga hivi. Si réellement les enfants ont fait le choix par révélation. Kama kweli watoto walifanya uchakuzi kupitia ufunuo. On n'aura pas à les enseigner femmes soyez soumises, mariez aimez vos femmes. Hatutabafundisha bibi tii bwana bwana penda bibi yako. Par sa anela. Kwa sababu ndani yao pale. La femme connaît que les femmes. Bibi anajua sema mie niko bibi. Elle connaît que j'ai été tiré de l'homme. Najua sema nilitoshwa kwa mwanaume. Et quand elle rentre à l'homme. Na wakati tunaenda kwa mwanaume. Elle veut récupérer sa place. Anapenda arudie. Pour qu'il devienne encore un seul corps. Ili apate kuwa mwili mmoja. Il n'y a pas d'enseignement de tous les temps. Soyez soumise. Hakuna fundisho. Soyez soumise. Mutiba bwana yenu. Mutiba bwana hapana.
Et cet homme-là, on ne peut pas prendre le temps de l'enseigner. Aimez votre femme. Aimez votre femme. Ça devient comme l'enseignement de 6 mois, 2 mois. En lui-là, il a l'amour de sa femme. L'amour ne s'enseigne pas. Ce sont des choses forcées. Ni pitu bia kukaza. Nous pouvons parler des années et des années. Kusema bia miaka na miaka. Vous trouvez l'homme qui bat sa femme. Unakuta bwana yuko na pika bibi yake gisa. Ça n'existe pas dans le message. Ndani ya ujumbe habina amo hata fasi moya. Anakatala kusema amen. Voilà. Il refuse ça n'existe pas. Abina ako. J'écris le message en 1981. Nili amini dans cette ville. Muimuji. Je venais de marier ma femme qui n'avait qu'une année. Nilio, nilitoka mko wa bibi yangu shakwa mwaka. Je ne l'ai jamais même pas bousculé. Sia musukumaka ta hivi. Même pas pointé mon doigt comme ça. Asa kukunyoleshe sa weye. Cha mufanyia kafili. Mais comment toi on t'a enseigné toutes ces années? Sasa we hii miaka yote bana kufundisha. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, wakati Paulo alikuwa anaandikia wa Korinto, quand Paul écrivait par exemple à Timothée, au wakati alikuwa anamwandikia Timotheo, on lisait seulement dans l'église, balikuwa nasoma tu mkanisa, femme soyez soumise, bi mwanamke ti, Marie aimez vos femmes, bwana penda bibi yako, et il disait amen, na walikuwa nasema amina, et ça s'arrêtait là, na mambo alikuwa anasimamia pale, et il continuait, il ne pouvait pas se tirailler, na walikuwa naendelea bila kubululana kunyumba. Si l'amour, comme upendo, n'est pas amour, aiko upendo, vous allez voir les œuvres du diable. Utaona matendo ya shetani mwio kesi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et mko pamoja nami. Alors cette affaire que nous allons faire maintenant. Sasa mambo yenyewe tunataka kufanya sasa. À cet homme et à cette femme. Wa ukiana na kwa huyu le prophète Branham dit. Nabii Branham anasema, si un garçon de bonne foi. Kama kijana uania nzuri. Si à la femme je t'aime. Anaambia mwanamke na kupenda. La femme répond moi aussi. Na mwanamke naye anasema mie na mie nakupenda. Ils sont mariés à ce moment-là. Mwele ile wakati balisha kulunga ndoa. Voyez que c'est une affaire de l'amour, n'est-ce pas? Unaona sema ni mambo yanahusu upendo hii. Et dans l'amour. Na katika upendo. Il n'y a pas de coup. Hakuna mangumi na mapi abinamu. Dans l'amour, katika upendo, il n'y a pas l'insoumission. Amuna kukosa kutii bwana bina ako. Et il y a les femmes qui ne connaissent même pas la soumission, c'est quoi? Na kuna banamuke benye abajua ta kutii bwana ni nini? La soumission, kutii bwana, ce n'est pas quand l'homme te dit quelque chose que tu aimes. Aina wakati yenyewe bwana anakuambia kitu kenye wewe unapenda. La soumission, kumake kutii, c'est quand l'homme, ni wakati bwana, te recommande à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Anakuambia ufanye kitu kenye wewe upendi. Mais tu n'es pas contraire à la parole. Lakini kenye kipingi neno. C'est à ce moment-là que tu vas voir que tu es soumise. Pale ndio utajua eti wewe uko na tii au hapana. Parce que kuko manjia leko nafanya ya kama watu wako nakutana mjama. Kale ja même si vous avez l'argent. Ataka Mungu una makuta. Même si vous mangez bien. Ataka Mungu nakula mzuri. La soumission c'est quelque chose de spirituel. Hey man, kutini kitu moja ya kiroho kabisa. Ce n'est pas l'argent. Aiko ce n'est makuta. Pas la voiture qu'on va t'acheter. Aina gari yenyewe atakuzia ton mari. Non, c'est quand tu te diras quelque chose. Ni wakati anakuambia kitu. Que tu ne fais pas. Kenye wa ufanyi. Tu vas dire mon Seigneur. Bado nasema oh bwana wangu. Mon Seigneur. Bwana yangu. Mpaka hivi tunaitaka Bwana Yesu asema Bwana. Comme on l'appelle Seigneur. Bibi banapacha kuita Bwana kama Bwana. C'est comme ça que la femme devrait appeler son homme mon Seigneur. C'est facile. Ni biepesi. C'est pourquoi c'est que nous avons suivi de l'amour avec le pasteur. Tu comprends que yetu nafuata na upendo na pastori hapa. L'amour, upendo est au-dessus du Saint-Esprit. Hey, man, iko juu ya Roho Mtakatifu. Et pour nous les croyants du message. Na kwa sie baamini ba ujumbe. Cet amour que nous avons suivi ce matin. Hii upendo yenyewe tulifuata asubuhi. De faire les choses. Ya kufanya vitu d'une façon que la puissance qui est à toi accomplisse ces choses. Munam nasema uwezo yenyewe ndani yako inatenda kitu. Cet amour là. Ile upendo ile ne s'enseigne pas. Haifundishwaki.
Ce n'est pas l'amour que vous vous dites, je t'aime, ma chérie. Aïna, aïna, zema na kupenda, mpendo. Pourquoi le messager, en prenant l'exemple, toko mana mujumbe wa kubeba mfano, il a dit, si vous avez cet amour, anasema, kama una ile upendo, quelqu'un peut faire n'importe quoi sur votre femme, voulant se jouer de ta femme, mutu mwenye, toi, tu vas prier pour cet homme. Wewe utamwombea ule mutu. Pourquoi le prophète a mis la femme? Tuya nini, mwana, la femme mwana, vient après la vie éternelle. Ah, bibi, yeko nakuya, kisha uzima wa milele. Si tu peux arriver au niveau où quelqu'un te fait du mal, diminue même ta femme, nana, shusha, chambula bibili, sans l'amour dans ton cœur pour prier pour lui, bila upendo nana moyo wako kumwombea, parce que vous êtes dans la fêtière. Jua sema weye uko katika janamu. Vous êtes dans la niwela. Maye uko ndani ya ile, ile nguzo ya moyo ya mwili. C'est cela notre makapela. Ile ndio makapela yetu. C'est là où il y aura la résurrection des morts. Pas les gens où t'as quoi au fufu. Dans l'amour divin. Katika upendo. Pas dans le Saint-Esprit. Apa nandani ya Rome takatifu. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Una peso kwa na Rome takatifu. Plus l'amour divin. Kuchanga na upendo wa kimungu. C'est alors que tu y seras enlevé. Njo pale wewe utanyakuliwa. Sans cela tu es comme pentecôtiste. Bila ile wewe uko prophétisé. Tu vas prêcher, tu vas faire tout, mais lakini, tu n'es pas dans le pays des élus. Wewe hauna katika hichi ya wateule. Tu peux dire amen. Nani anaweza kusema amina? Ça vient avec un retard, c'est-à-dire c'est forcé. Ni kusema, kuna mikaza jua kusema ata amina. C'est comme ça que ça y est. On a risqué qu'on goye mungu mugari mula tapitia pa. Mais tu peux rester en train d'attendre Jésus dans une voiture. Dans le Saint-Esprit, il y a les bababes de Mikombo là-bas. Il y a tous les pentecôtistes ici. Tous les gens qui ont les dons dans les églises du message sans l'amour divin. Ils sont dans cette gare-là. Pour passer à aller dans l'amour divin. Là où vous aimerez même vos ennemis. Kule kwenye utapenda ta maadui yako. Et comment quelqu'un qui peut aimer son ennemi? Nani nani ule anaweza kupenda adui yake? Peut manquer d'aimer sa femme. Atakosa kupenda bibi yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je n'aime pas aller loin avec vous. Sipendi kwenda mbali na mweye. Je voulais vous dire ça pour que ceux qui sont venus aujourd'hui sachent que je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Tasoma kitu mo fulani kabla nimalize. Le premier Adam, oui, Adam wa kwanza, il était venu alikuyaka, dans la pensée de Dieu. Ndani ya wazo ya Mungu. Dieu savait que Adam doit tomber. Mungu alijua Adam atanguka. Pour qu'il devienne sauveur. Ili ye Mungu akue mwokozi. Et quand le deuxième Adam vient, Jésus-Christ, wakati Adam wa pili anakuja Yesu, il nous a suivi jusque dans le péché. Akatufuata hadi kule kwenye zambi. Il a pris le péché. Akabeba zambi. C'est pourquoi vous voyez, on a percé ses côtes, on n'a pas percé les genoux. Jo kwa maana balitobola mambavu zake, haiko magoti. C'était les côtes parce que la femme était sortie dans les côtes de l'homme. Kwa sababu bibi alitoka ni mumbavu ya mwanaume. C'est pourquoi les côtes de Jésus étaient percées. Mbavu ya Yesu litobolwa. Par cette lance romaine. C'est la lance romaine qui avait percé les côtes de Jésus. Et là, le sang est sorti. C'est-à-dire l'épouse parole. Il a dit, bibi, neno akatoka. Ce qui était arrivé à Jésus, ce n'est pas pour que nous tombions encore. C'est pour que nous soyons ramenés. Ramener à notre position pour la jeunesse. De commander le monde. C'est là où Dieu va nous pour partir dans la vie. Je suis très heureux. Niko katika furaha. Parce que j'ai consacré. Papa, mets-toi d'abord debout. Voyez cet homme. Si j'ai consacré son mariage. Nililunga ndoa yake. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo, je consacre le mariage de son fils. Nalunga tena ndoa ya mtoto yake. C'est pour vous dire que joko kumwambia nous kusema, sommes restés derrière cette chair. Tulibakia kumkongo ya imimbali. Nous commençons à consacrer le mariage. Tunaanza sasa kulunga ndoa. Des enfants de nos enfants. Ah, ya bayukulu. Alléluia. Alléluia. Et si l'enlèvement tarde, na kama kunyakuluwa kukigawia, je vais consacrer même avec ma canne. Nitalunga tena hata na mkombo wangu. Son enfant. Mtoto yake. Alléluia. Alléluia.
Un jour, je n'ai pas encore consacré le mariage de l'enfant de mon enfant. Si alungaka ndoa ya mutoto wa mutoto mutoto. Et s'il tarde, je serai un jour du haut de la chair. Kama kikawi là où je vais seulement dire. Wenye siku mutasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que la paix du Seigneur soit salama ya Bwana itu. Et quand je lève seulement la main, wakati na nyosha mukono, le couple sera déjà béni. Venez, mon frère et ma soeur. Mukuye, je suis très heureux de vous consacrer. Niko katika furaha kabisa kumitolea. Consacrer les enfants qui ont tenu à la parole. Ake kutolea batoto benye balishika kuneno. Consacrer le mariage de chaste. Make kutolea ndoa ya watu wenyewe. Huyu anabakia, huyu anajichunga, huyu naye bikira. Alléluia. Amen. J'ai toujours aimé cela, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, Mungu akubariki. J'ai toujours aimé cela. Napendaka sana ile. Consacrer le mariage. Kumunga ndoa. De chaste. Ya mwanaume hayajua banamuke na bibi anabakia bikira. Ça me fait la joie. Inanifanyaka furaha sana. J'ai dit bien, ça me fait la joie. Dans quel monde? Dans la Odyssée, l'âge de la Odyssée. Où les filles aiment marcher. Mais, lakini, vous voyez l'autre. Unaongea mwingine. Il est en train de regarder toujours à la coucher du soleil. Eko naangalia paka kule kuanguka kwa jua. Anaangalia. Elle Marie de l'autre côté. Sema niko na Bwana ngambo ya pili. Ce Marie là moi je dis c'est Christ. Na ule Bwana ule mimi nasema ni Christ. Protège moi. Bwana unikinge. Pour que je n'aille pas me repentir devant l'homme quand il me marie. Ili nisifike kutubu mbele wa Bwana mwenye atanioa. Aïe, bon, tu vas quand tu as mon mijiji, si on peut bien vous piquer. Marina, on va mettre des racines pour que tu rentres encore. Non! Eh, il y a mon mijiji. Oh, reste un peu, assis-toi dans des racines ici pour que ça fasse. Oui, mais tu as comme l'un des bonnes. Mais bois un peu ça pour que allez, tu ailles tromper ton mari là-bas. Atalanda, bon, Atalanda, Yeshu. Ah, il va tromper le mari, mais pas Jésus. Yeshu, dans mon endroit. Jésus, vous ne pouvez pas le tromper. Wow. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Asante sana wapendwa. Je vais poser une question pour des formalités. Ninapenda tukuuliza swali juu tu ya bikuwe vizuri. Est-ce que dans cette église, katika hii kanisa yote nzima, y a quelqu'un ou quelqu'une, kuna mwanaume au mwanamke, qui peut dire que c'est jeune ici, mwenye anaweza kusema hawa vijana hawa. On ne peut pas consacrer leur mariage parce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont fait. Parce qu'ils s'étaient mariés. Parce que nous n'avons pas de courbeau nos têtes. Nous avons nos yeux grandement fait ouverts. Tout le monde qui a été fait. Le bon goutou. Akuna. Zéro. Applaudissons. Akuna qui. Gloire au Seigneur. Il n'y en a pas. Akuna tamu tumoe. Il n'y en a pas. Akuna tamu tumoe. Maintenant la deuxième question est celle-ci. Sasa, swali ya pili ni hii. A qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Basi ni nani mwenye ni kanombo? Pour que Victoria devienne l'épouse de Mubi ni kakalombo. Ili Victoria akue bibi ya Mubi ni kakalombo. Celui qui est responsable de Victoria. Ule mwenyewe msimamizi wa Victoria. Donne-lui le micro. Mumupatie basi kikolokoro. Il peut me permettre de consacrer ce mariage. Anaweza kuniruhusu. Ok, restons pas en silence pour que nous nous le suivons. Baba, kata gombe, a qui demanderai-je? Ni nani ntauliza? Je vous permets, pasteur. Merci, je suis permis de consacrer le mariage. Basi naruhusiwa basi kunana ndoa. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et le messager dit ici. Na mujumbe anasema. Ces deux personnes ici présentes. Hawa watu wawili weko. Sont venus pour être unis dans une union sacrée. Balikuya ili bapasha kulungiwa mulungo takatifu. Alors le messager continue. Sasa mujumbe anaendelea. Il dit. Anasema. Si a ici quelqu'un. Par un motif valable, comme je l'ai dit. Sa vile nilisema, kama kuna mutu, ana lengo la kweneani. N'yana pa. Akuna. Mena je demande à vous de. Sasa na approchez-vous mes. Approchez-vous mes papes. Musogeye. J'exigerai et vous demanderai à vous de.
Na nitalomba kwa mwe bawili. Écoutez ce que le prophète dit. Musikie benye na biye kona sef. Car vous répondrez sûrement au jour du jugement. Kwa sababu mutajibia kabisa kabisa siku ya kihama. Est-ce que vous me suivez? Eti munanifuata. S'il y a quelqu'un, donc il dit ceci, vous au jour du jugement. Aussi. Quand le secret de tout le corps seront dévoilés. Kwa wakati yenye masiri ya mioyo yote hayo itatiliwa wazi. Écoutez-moi, écoutez, suivez. Mufate. Si l'un de vous, kama umoja kati yenu, connaît quelconque obstacle, anajua zuio moya fulani, ni haba bawili niko nao, l'empêchere yenye itazuia que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré de mariage, ili musipate kulungwa katika hii mulungo halali ya ndoa. Il le confesse maintenant. Sasa mupate kukiri apa sasa. Car soyez-en assurés. Kwa sababu muwe yakini. Tout couple, s'il vous plaît, diminuez d'abord, frère, le volume de musique. Tout couple. Kwa sababu kesi yote. Je dis bien. Tout couple. Kesi yote. Il n'y a autrement que le, l'autorise la parole de Dieu. Yenye inalungwa kinyume na ile neno ya Mungu inaruhusu. Ce mariage n'est pas légal. Ile ndoa haiko halali. C'est ici où il y a le problème. Hapa ndio kwenye maneno yoy kwako. Si l'homme a caché quelque chose à cette femme, kama bwana alifichika huyu mwanamke kitu, quelque chose qu'il connaît dans son corps, kitu kenya anajua ndani ya moyo wake, si la femme découvrait, asema kama bibi akikitambua, elle n'acceptera pas, hawezi kukubali. Si il ne confesse pas ça avant, kama asikiri yake mbele, si nous consacrons leur mariage, hata kama tukilunga ndoa yao, le jour que la femme découvrira cela, siku yenye bibi atajua, elle a le droit, bien que le mariage était consacré publiquement, vile ndoa ililungwa hadharani. Pastor, anasema pastori, le monsieur m'avait trompé, huyu kijana alinidanganya. Je ne saurais pas continuer avec lui, mie sitaendelea naye. Et nous allons reconsacrer l'autre mariage, na sie tutamulungisha mundoa yengine ya vya kweli, vice versa, parce que c'est le prophète qui dit, huyu ni nabii ça. Mais nous simplifions. Lakini tuko nasema abio, lakini tuko nakata kidogo kidogo vile. S'il y a quelque chose qui est caché, kama kuna kitu dans le cœur de la femme, qui n'a fichu dans le cœur de l'homme, muro ya bibi, ce mariage que je veux consacrer ne sera pas légal. Hido, hata kama inalungwa, haitakuwa halali. Même si lui, hata kama yeye, marié deux trois fois les femmes qui lui trompent, nous consacrerons deux trois fois. Hata kama anaoa babi bawili batatu, tutamulunga hata mara tatu. On n'aura pas peur. Atutakuwa na boka. On ne craindra rien. Atutasema kitu. Parce qu'il y a eu le mensonge. Kwa sababu bongo buko hako. Alors mes amis dans le Seigneur. Sasa wapendwa katika Bwana. Considérons ce langage du prophète. Basi tubebe na faida kabisa hii usemo wa nabii. Vous, mes enfants qui sont devant moi. Yeye watoto wenyewe kumbele yangu. Nous nous apprécions devant le peuple. Tuna mitapa mbele ya watu. Nous parlons comme nous parlons. Tuko nasema hivi, tuko nasema. Mais s'il y a quelque chose de caché. Lakini kama kuna kitu kia kufichwa. Ce mariage ne sera pas légal. Hii ndoa haitakuwa halali. On peut tromper le mari, on peut tromper le pasteur, on ne peut pas tromper Jésus. Unaweza danganya bwana, unaweza danganya pastori, lakini Yesu kama uwezi mdanganya. Est-ce que eti mon fils mudinika? Make mwana mudinika. Y a-t-il quelque chose? Kuna kitu kenye kinaweza zuia indoa isilungwe? Y a pas d'obstacle qui empêcherait que le mariage soit. Très bien. Applaudissons. Mupike pikele kele lele lele. Anasema kuna kitu kitazuia. Bon. S'il vous plaît frère, acha kwa muziki. Acha kwa muziki. Mimi na yeye sema na yeye fazi na unasema yeye babijana mupendaga kuiverifie. Ai, ici vous les garçons, soit vous les filles. Nikalaka ningia pa mpile kifura fura ya mariage. Vous êtes dans cet enthousiasme là. Pas du tout. Quand ça va. On sema pas sur un chiffre hivi hapa. Oh, pasteur, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mie na tatu kumwacha. Ah ah. Mes amis dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Tumulize kwa Dr. Victoria. Go, condemne mpe à la sœur Victoria. Sœur Victoria. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire que ce mariage ne soit pas consacré? Et tu connais qui que je consacre?
kienyewe kitazuia hii ndoa isipate kulungwa katika mungu c'est que tu as caché dans ton cœur là. Hakuna kitu. Bikelekele. Lelele. Merci maintenant. Bon, maintenant, je voulais dire quelque chose. Hapa napenda kusema kitu moja. Chaque nation, kila taifa, a sa joie dans les choses divines, dans les choses de ya kimungu, vitu bya ndoa. Kankundulu ile se yelele, yelele. Kankundulu na kwa yelele. C'est ça kankundulu là. Et il est là. Je vais vous enseigner. Mimi napenda kumfundisha moyo ni kankundulu ile kwa niruka tanga. Kikelekele. Tu mwa mnasabu kikelekele jo mnaweka. Yelele. Le kankundulu ile kamu mu WhatsApp. Yelele. Kale kankundulu la kale kakikelekele. C'est grave. Il a quoi à ma tête? Vous êtes devenu trop moderne. Ma que mon aqua ba qui sasa sana. Il est chaud qui quelle est quelle il est. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu. Continuez mes amis, je voulais vous dire ça. Il peine à tout m'ambia il est. Moi j'aime être original. Mina peine à kubakia wa asili kabisa. Quand naenda kubulai. Même si je partais en France, en Europe. Quand je suis parmi les blancs. Wakati niko katika. Si l'onction me pénètre, je me sens bien. Kama tu upako na nibamba na jisikia vizuri. Alléluia. Mina sema alléluia, alléluia, amina. Qu'ils entendent aussi que. Wasikia kusemi. Y'a les Africains. Kuna watu wa kwa Afrika. Qu'ils tournent pas les regards. Bana geuka. Vous regardez qui est celui-là. Bana angalia ni nani ule na chef. C'est l'homme de couleur. Ah, ni mtu wa rangi kabisa. C'est moi l'homme de couleur. Nimi ya mtu mweusi. Vous avez même les complexes pour votre peau. Wewe unaweza sikia haya hata ngozi yako. Sorry. Haya kabisa. Oh. Et dit ceci le messager. Ujumbe anasema hivi. Il continue, il dit. Anaendelea anasema. Mes croyants. Waamini. Bien entendu que vous avez considéré cet engagement. Vile kabisa inasikilika ya kusema munabeba na mpango. Alors, mettons cette question, ils ont déjà répondu. Hii basi kuijibu tunaweka pembeni. Maintenant nous commençons avec les questions. Sasa hapa tunaanza kuuliza. Frère et sœur. Ndugu na dada. Suivez-moi. Nous sommes dans le temps de suivre ce que le prophète a dit. Si le prophète a consacré le mariage avec ça, kama nabi alilunga ndoa na hii, ne nous amenez pas l'autre livre pour d'autres questions. Il n'y a que ça. On ne doit poser que ça. Si tu tauliza pa kaibu. Même si vous me dites que c'était pour la loi des Américains, ce sont des histoires des Américains. Moi, j'ai écrit le message qui vient des Américains. Je n'ai pas écrit le message qui vient du Congo. Merci. Le message vient des États-Unis. Le message vient de l'Ouest. Comme c'était prédit. Comme l'éclair quitte de l'Orient se montre à l'Occident. Ainsi sera la première du Fils de l'homme. Maintenant, écoutez les questions de cet homme de Dieu. Je vais les poser et vous mettrez les mains sur la Bible pour confirmer cela à la fin. Écoutez les questions, mes amis. Il pose la question à l'homme. On a oublié sa bonne. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime? Eti, unakubali huyu binti ama huyu mwanamke sabi pia halali elle dans cette union sacrée de mariage? Ili upate kuishi naye katika muungano wa ndoa? Le mariage c'est le vœu. Ndoa inakuwa ni kiapo. S'il n'y a pas de vœu, il n'y a pas de mariage. Kama hakuna kiapo hakuna ndoa. Écoutez maintenant. Ça ce qui est. Promettez-vous de l'aimer? Eti unamwaidia kumpenda. Promettre. Promettez-vous de l'aimer, una muahidia kumpenda, de l'honorer, kumheshimu, de la chérir, kumpenda tena zaidi, de l'assister dans la maladie ou la santé, kumushikilia katika afya njema au magonjwa, dans la richesse ou la pauvreté, katika umaskini au tajiri. Écoutez bien, sasa sikieni mzuri, et d'abandonner
toutes les autres. Na kuacha awa wanamuke wote wengine wenye ulishaonaka. Aussi longtemps que vous serez tout en vie. Masiku yote yenye mutakuwa nye bote bawili katika uzima. D'abandonner toutes les autres. Ya kuacha mabibi pote. Répond. En âme et conscience, je suis le premier pasteur. En âme et conscience, répète. En âme et conscience, je suis le premier papa. Merci. Comme il a promis ça, ville Anna a dit à Ivo. Il vient après quelques années que je vais marier une autre Anakuya femme. Il est à livrer dans les mains de Satan. Oui, nous avons tout par mikono à Satan. Parce qu'il nous a trompé. Quoi ça va? Anna tout d'angagne ainsi. Il a trompé la femme qu'il avait promise que. Nous partons à la femme. C'est que la même question posée à l'homme. C'est un mariage consacré n'a pas de polygamie à l'intérieur. Ah, ndo enye kutole aina na mambo ya kukua na mabiba wili batatu ndani mula aina ako. C'est que banni la polygamie. Si vous voulez vos histoires là, comme on appelle Marie vous nous 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 nous. Mage moane mule matembele vile. Mais si tu arrives ici, sasa kama consacrons. Tuna mage tunatolea indo. Tu nous dis autre chose tu mérites. Unatambia mambo yote wewe mage fasi yako ni kukutupa mikono ya shetani. Merci. Victoria. Victoria. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime? Unamkubali ukijana sabwa na yako alali. Pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Tu ya kuishi naye katika imulungo takatifu ya ndoa. Promettez-vous de l'aimer. Et unamwaahidi kumpenda. De l'honorer. Kumheshimu. De le chérir. Kumpenda tena zaidi. De l'assister. Ya kumshikilia. Dans la maladie ou la bonne santé. Mu magonjo au dans la richesse ou la pauvreté, le message est clair. Et de ne vous attacher qu'à lui. Quand vous serez tous deux en vie, oui, je le promets. C'est tout. Là, on a lié. Pale munafungwa kabisa. On a lié. Hapa tunafunga. Même si la pauvreté arrivait avec toutes ces sifflets. Atabu maskini bunakuya na mafilimbi yake yote. Ils seront toujours à deux. Batabakia paka hivi bawili. Même si n'importe quelle maladie. Ataka ma magonjwa kaninakuya. Intervenait. Inafikia. Ils seront toujours à deux. Batabakia hivi hivi kwa hivi. Parce que. Kwa sababu. Ils ont promis devant le Seigneur. Bali aidia mbele ya Bwana. Voilà la chose que je voulais que ça vous pénètre. Ona kitu keni lipenda hiki ingie katika upana wa mioyo yenu. Tous les jeunes filles et les jeunes garçons. Nye babinti na mweba babiana. Si vous faites la coupe. Wakati yenye mungu napopozana. N'ayez pas seulement vous écrire des messages. Usikuye tu nakupenda fiu unamtupia. Eh unamtupia kiroho. Unamtupia. Mimi nawaza saa yote. Oh moyo wangu unapika mburu. Mbele pasa la coupe. Haiko ile njoo mapopozo. La course c'est étudier sérieusement. Ma proposo ni unajifunzia kabisa tabia ya ule mtu. Tu regardes la femme qui l'a dit des choses. Unaangalia bibi sa mimi. J'aime la parole de Dieu. Napenda neno la Mungu. J'aime une femme qui demeure dans la parole. Napenda mwanamke mwenye nguvu. J'aime une femme qui peut m'aider quand je commencerai à faiblir. Napenda mwanamke mwata ni sendia wakati. J'aime une femme qui peut me corriger comme la femme du prophète Branham quand le prophète voulait tromper. Wakati nabii alipenda akasema bili. Ushilande. Faut pas mentir. Ushilande bonan. Ne faut pas mentir mon mari, ne faut pas mentir. Mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous avons besoin de femmes. Une fille qui peut être comme elle est mince, avec un cœur gros. Si le mari commence à dire, vous connaissez ma nini, tu voulais dire quoi? Tu ne peux pas m'amener là. En dehors de cette parole, l'homme commence à dire, oh tu vois, je m'en fous. Hein? M'en fous, il prend les clés de contact, il jette. Il dit, monsieur, je ne suis pas venu à vous pour la richesse. Tu dois connaître qu'il y a un ciel. Kuna mbingu ya mie kwenda.
Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je n'ai pas à poursuivre dans le temps. Voilà les femmes que nous voulons. On a babi bipeigné tout na penda. Parce que vous avez acheté des habits, vous avez acheté la voiture, vous commencez à obéir à n'importe quoi, à supporter n'importe quoi. Nous avons besoin des défenseurs de la parole. Kafuta pas tu baigné que t'étais à neno. Merci Seigneur. Accent bon. Ma Bible, ok. Vous placez vos bagues sur ma Bible. Mutie basi ma petezenu kwenye Biblia hii. Ça devient bien. Ok, mettez, vous voyez les bacs, donnez-moi les bacs d'abord. C'est combien de bacs? Il n'a quoi ma pète ngapi? Combien de bacs? Ma pète ngapi? Pour confirmer quoi? Dieu quoi qui kisha nini? Les paroles qu'ils ont prononcées que Misi mpaka huyu. Moi c'est Samuel. Aussi c'est Samuel. Pasteur. Mon pète yango yo mpaka mbili. Voici nos deux bacs ici. Utie tena pa Bible ya Mungu. Mettez ça sous la Bible de Dieu. Je vous tupatie aje. Et puis que tu nous donnes. Manaki banalapa. Donc ils ont giré. Ils ont giré. Banalapa. Ne jouons pas avec la Bible. Tu sais la Bible. Jephthé a fait l'erreur. Oh, Jephthé a lifanya kosa. Dieu ne pouvait pas prendre l'offrande d'une personne. Mungu hawezi kubeba ba sadaka ya mtu. Mais dans le fait. Lakini wakati alifanya kiapo. Il a fait le vœu que. Akafanya kiapo. Si je pars à cette bataille. Kama nikienda kwa hii vita. C'est lui. Yuri, si tu me donnes la victoire, c'est lui qui viendra m'embrasser quand je rentrerai. Je vais le livrer. Il n'avait qu'une seule fille. Comme c'était le vœu, il rentre de là où il était parti. Dieu lui a donné la victoire. Mungu akampatia ushindi. Quand tu es rentré, wakati aliporudi, parmi la foule des gens, kati ya umati wa watu, sa fille a couru, a dépassé tous les hommes. Biti wake akakimbia kupita babiti bote. Pour aller embrasser son père. Enda akakumbatia baba yake. Elle embrasse son père. Anakumbatia baba yake. Baba yake akasema, oh, ma fille, pourquoi tu peux me souffrir? Ma binti wangu juu ya nini utaniteswa hivi? J'ai promis à Dieu la fille. Nilimwaahidi Mungu baba ni nini? Oh ma fille, j'ai promis à Dieu. Nilimwaahidi Mungu. Celui qui viendra m'embrasser le premier. Ule atanikumbatia wa kwanza nitamtolea. Comme c'était une fille d'Israël. Vile alikuwa binti wa Israeli. Elle a dit, papa ne souffre pas. Akasema babangu siteseke. Je vais appeler toutes les jeunes filles qui sont vierges comme moi. Nitaita babiti bikira sami. Nous irons à la montagne pour pleurer ma virginité. Tutenda kumulima kulia bubikira wangu. Nitakufa na butoto bote batanichoma juu babangu alilaka Mungu yake. Je vais être sacrifié comme holocauste par le père. Nitaenda kumulima na barafiki zake batalia. Avec ses amis, ils ont pleuré là-bas. Devant son père. Na karudi ambele Dieu n'a pas fait le miracle d'Abraham. Mungu asikufanya miujiza Abraham. Dieu m'a dit à ses amis. Kwa sababu ilikuwa ni kiapo. Bakachoma kijakazi mwanamke. Ah, on a brûlé cette femme là. Na harufu yake wakati ilikuwa napanda kumbini. Et quand l'odeur montait au ciel. Mungu akasikia vizuri sana. Oh, tu étais tellement content. Kwa nasikia harufu ya Kai ni sentait l'odeur. Harufu ya sadaka nzuri ya Mungu. Oh, vraiment l'holocauste qui sent bon. Pour le c'était correct. Ne trompez pas dans le vœu. On ne joue pas. Ils kia. Les ont promis. Bali haidi. Prends ta bague, mets-toi. Beba hii bague yako. Ok, vous pouvez les tirer les photos pour le témoignage. Tirez les photos. Allez-y pour le polément. Mubambe tu. Pole, nous voyons que c'est elle qui est ta femme. Mambo et c'est tout vraiment. Ok. Ma sœur. Ok. Pindi utungundi lilo na pege. Sasa bikelekele mnabiweka wapi? Très bien. Vizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Regardez maintenant. Mwangalie sasa. Je prends ma main.
Je mets sur la Bible de Dieu. Comme le troisième témoin sur le V. Avec Dieu la parole en dessous. Na Mungu neno chini. Mettez vos mains. Mweke mikono yenu. Tenez-vous. Tenez la main dans la main d'abord. Ok. Allez. Mettez ici. Voilà. Lui est un intermédiaire. C'est moi qui ai écouté leur voix. J'ai dit, Seigneur, ils ont promis et moi j'ai accepté. C'est seulement quand l'un va mourir. Et moi je veux prier pour eux pour que nous partions dans l'enlèvement avec un vivant. Ok. Vous voyez? Le pasteur est le troisième témoin. Pasteur, il y en a quoi, Mushuda Watata? Moukini, ne vous trompez pas pour venir me dire autre chose. Mouenye Kutipanga, aussi dit d'Angagne, Victoria! Victoria! Je ne vous recevrai pas. Nage, ouais, au moins si le mari vous a trompé. Au moins, comme tout bon à l'écoute courbons nos têtes. Mouk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 ou, Jamisebich. Nous allons à la maison de mon père, oui, maison de mon père, oui, maison de mon père, Jésus, allons à la maison de mon père, il y a paix, Jésus sera là, oui, maison de mon père, notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque, Seigneur Jésus-Christ, sur ce mariage sacré. J'invoque ton nom, l'éternel Dieu des armées, Dieu qui nous a envoyé la lumière du soir, pour que nous quittions les ténèbres, nous devenions les enfants de la lumière. Je sais des enfants devant moi. Dans cet âge où le divorce bat record. Seigneur Jésus, dans cet âge où le péché bat record. Ces enfants se sont aimés à la jeunesse. Ils sont encore trop petits, Seigneur. Ils se sont aimés d'un amour sincère. Et ils n'ont pas eu peur de les confesser devant leurs parents et devant leurs pasteurs que nous sommes. Dieu du ciel, maintenant Seigneur, je sais que tu avais fait l'alliance avec William Branham. Et c'est sous cette alliance que nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Toi le même Dieu d'Abraham, tu es devenu le Dieu de Ham de dernier jour. C'est dans ce Dieu de Ham de dernier jour que nous sommes sauvés. Car nous avons marché avec cette Bible, nous n'avons pas trouvé le salut. Maintenant, Seigneur, je sais que nous sommes dans le temps pour voir les petits enfants comme ils sont devant moi ici. Vivre ta parole, ça devient rare. Ils sont entraînés dans des discussions, dans des tiraillements. Mais pour ce couple, Seigneur, je voulais que tu puisses faire quelque chose de particulier.
Que ces enfants puissent être le témoignage dans leur entourage. Que cet homme, quand il cherchera le pain, Seigneur, qu'il puisse vivre toujours les miracles financiers. Qu'il puisse se réjouir et voir que Dieu de William Branham a dit dans sa parole que nous devrons goûter aux prémices du ciel sur la terre des hommes. Alors bénis ce jeune homme, nous dit Mika Kalombo, que ta grâce repose sur lui. Partout où il foulera la plante de ses pieds, donne-lui la portion de la terre, Seigneur. Je te dis, Jésus, qu'il soit béni, qu'il ait les capacités comme jamais vues, et qu'il puisse vivre la parole pour être une bénédiction pour cette femme du nom de Victoria, notre sœur. Bien-aimé Jésus, quand Colombe viendra du travail, que les capacités qui étaient données à notre sœur Meda, comme nous pouvons nous rappeler aussi de la sœur Sarah, du premier homme, que ces capacités puissent être données à notre précieuse sœur Victoria. Comme son nom le dit, qu'elle puisse avoir aussi la victoire en tout, que ça puisse être comme Isaac et Rebecca, Seigneur. Ô Dieu du ciel, je bénis ces enfants réellement, Seigneur. Que Victoria puisse avoir les capacités que nous lisons dans les brochures, d'aller recevoir le mari quand il vient du boulot fatigué, et de venir le mettre sur ses genoux, et causer avec le mari avec une voix qui le consolera. Je sais, Seigneur, que ce que ces enfants manquent, tu leur accorderas cela à partir de ce que nous sommes en train de faire ici, Seigneur. Bénissez-les, Seigneur, que ces enfants puissent mettre au monde les autres enfants, jusqu'au jour où ils diront, nous arrêtons par ici. Seigneur, qu'il ne manque de rien dans leur maison, que tout celui qui s'approchera de Seigneur, que ses enfants puissent être du sel. Comme ton prophète nous dit, on peut prendre le sel et mettre sur la viande fraîche, et le sel va garder cette viande sans pourrir. Que ses enfants aient la capacité de tout pécheur qui s'approchera d'eux, qu'ils soient du sel pour faire que ces pécheurs-là puissent être transformés. Nous les croyons de tout cœur. Je les bénis, Seigneur, sous l'alliance que tu as faite aussi avec moi. Car ton prophète nous dit, Dieu avait fait l'alliance avec chacun de ses prophètes. Tu avais fait l'alliance avec William Branham. Et tu fais l'alliance avec chaque ministre appelé par toi et commissionné, mandaté. Tu fais l'alliance avec lui. Je les déclare devant ce peuple mariés et je les autorise de vivre comme homme et femme. Avec toutes sortes de bénédictions qui accompagnent le couple nouvellement marié. Qu'ils passent leur lune de miel dans la joie jusqu'au jour où tu leur donneras d'autres progénitures pour fortifier le lien de leur mariage et de leur amour. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Louange te soit rendue, Père Céleste. Que la victoire soit pour toi, Seigneur Jésus. Que la puissance soit pour toi, Père Céleste. Nous croyons que tu feras même plus que ma prière. Les choses que je n'ai pas prononcées, toi tu les accompliras dans ce couple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les déclare hommes et femmes pour vivre ensemble, mariés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Ok? Zaz. Tu peux dévoiler maintenant ton épouse. Apa, on avait ça comme toi, Asia. Tu peux nous montrer ton choix du monde. Otone shemasi uchaguzi wako. Nous, à ce message de William Branham, malgré la civilisation et tout ce que vous connaissez, nous ne croyons pas que l'homme bébé et la femme dans le fiançailles.
katika uchumba tuamini vile hapana. Parce qu'il y a les glandes sexuelles dans le lèvre. Kwa sababu muna hiyo maglande sexuelle mumidomo. C'est pourquoi nous autorisons ces enfants devant leurs parents et devant le pasteur que nous sommes. Mbele ya wazazi na mbele ya mapastori hivi wenyewe tuko. De faire un symbole de relation sexuelle. Bafanye basi alama ya potentiel. Potentiel. Kwa kidogo. Parce que le prophète dit que si vous baisez une femme, potentiellement vous avez commis l'adultère. Asema kama kibusu huyu mwanamke. C'est qu'on défendait là. Na nous katazi. Le permettons publiquement. Hapa tuko na eruhusu hadharani. Jamais fait. Kwa sababu abaya ifanyaka. Vous pouvez vous baiser même. Pale unaweza horizon. Kumubusu tunaku. Très bien. Kankundulula. Kikele kele. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Ma fille, tu peux nous montrer dans la salle celui qui peut prendre ta charge? Unaweza kutuonesha. Pour le moment. Hapa nani ule anaweza beba busito bwako? But, si c'est ton papa qui t'a présenté, kama ni babako, wende beba ile nani, pasio kamtie kudeleka. Si c'est le pasteur qui va prendre ta charge, pasteur, allez mettre le voile pour celui. Ukatie yo pasio si c'est moi, mette sur moi. Kama ni mio, niwekee mie. Là où elle met le voile, là où elle met la charge. Pale jo kwenyewe anatia, Bwana mwenyewe atabeba mzigo. But, c'est tout. Mwele nikalisika. Les parents, bazazi, cette famille, hii jamaa ne reste qu'avec le pasteur. Bana bakia paka na pasteur. S'ils ont les difficultés, kama beko na magumu, c'est au pasteur qu'ils peuvent parler. Ni pasteur ndio anaweza kusema. Aucun membre de la famille. Hakuna hata mwana mama au papa au mama. Baba au mama. Ne peut pas dire à cette fille. Hawezi ambia au binti. Ne peut pas dire à ce garçon. Hawezi ambia au kijana. Écoutez, cette femme commence à jouer. Ona huyu binti anataka kuchezea ni seulement le pasteur. Ni paka pasteur. Bwana mudimu ajiki. Makazi yenu na malizikia kwa Mungu amebariki. Wende katika salama ya Bwana. Oh, 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 oh